nous saisit 367 armes à feu. Et parmi eux, il y a 39 fusils d'assaut. Nous saisit 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, et le moment où nous filmer, c'est en partie dans les armes que nous saisit. Parce que il y a des armes qui sont obligées de rester dans la juridiction, parce que la même autorité judiciaire pour la suite judiciaire. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure pour regarder la vidéo ça. Et j'aime tout vous dire, c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler ensemble avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous pour trouver ça. Et pas oublier d'activer la cloche notification pour capable recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous-même qui peut faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents, vous ne pouvez pas perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Événement pays loc, crise gravement, blocage terminal Vareux, qui est le principal site de stockage et de distribution carburant en le pays là, et de l'oublier en le pays là. Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les mêmes moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui réalisent. 63 perquisitions qui faites à travers tout le pays. Au cours d'opérations sérieuses, il y a 12 964 arrestations qui faites. Et qui réparties comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue. Gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viols, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours de l'opération SAR, nous faisons des saisies. Nous saisis 367 armes à feu. Et parmi eux, il y a 39 fusils d'assaut. Nous saisis 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, et le moment où nous filmer, c'est en partie dans les armes que nous saisis. Parce qu'il y a des armes qui sont obligées de rester dans la juridiction, parce que la même autorité judiciaire pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 qui étaient dans le sud-est avec la justice et autres. Au cours de l'opération Sarabou, nous saisis 2738.38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54.87 kilos de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. Dans le phénomène de kidnapping, nous libérons 41 otages et nous déjouons 93 cas de kidnapping à travers la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Bois-des-Bouquets, Tabar. Et la région et le département antibonique. Nous gagnons 149 bandits, malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons, ou du moins confisqués. Nous saisis 3 bateaux avec une yacht. Nous pas seulement arrêté l'enfer opération dans la rue seulement, mais en deux institutions de la police, nous prenons des mesures pour nous assainir l'administration de la police. Mesures à eux, nous prenons, nous révoquons
1432 fonctionnaires. Et parmi là, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses choses. Donc, au début, le travail en tête, donc son synergie qui est développée en environnement entre l'inspection générale de la police là et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, dans le cadre d'assainissement institution, nous retrouvons en finance 10 825 chèques qui totalisent 219 795 500 gouttes. Nous retournons en finance. Nous annulons 1204 débits réels. Nous annulons. En une institution, octroi contrario, nous faites selon les normes. Genre, finance publique, mandile. Nous soumettons 24 contrats. Et les contrats sont arrivés signés après approbation de la Commission nationale du marché public. Donc, le contrat va ramener la police selon la loi. De l'action que nous faisons qui visait améliorer les conditions de travail policier et bien-être policier. Parce que il faut que nous encourageons les policiers, il faut que nous mettions les policiers en valeur par rapport à la responsabilité que nous avons en un pays à ce qu'on a donné au moins. Par exemple, décret d'indemnisation des policiers victimes et les ayants droit des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État pour que les policiers, en tant que travail, les blessés, les victimes, ou du moins, marchent pour les mourir, pour que par un policier, ou du moins, policier victime, par la merci, mon bon papa, en dans l'administration publique, mais un engagement de l'État envers les policiers. Nous sommes capables de dire que le décret ça a commencé à appliquer. Parce que je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a un parlant policier qui est décédé qui recevra chèque ça dans le cadre du décret ça que nous parlons. Et nous profitons de l'espace ça pour nous remercier pour le ministre, Dr. Ariel Henry, et le reste du gouvernement qui va nous outiller ça, aux outils concrets pour les policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que nous ne jouions augmentation budgétaire, nous arrivons augmenter le prix de risque policier pendant l'année en deux reprises. Deuxième augmentation qui commence à partir d'octobre 2021. Unité spécialisée, BIO, donc à partir d'octobre, le supposé jeune prime de risque augmenté en deuxième fois pendant l'année. Sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous avons réhabilité 25 lieux de police, de façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous avons concrétisé, appliqué le programme Onapolis pour éviter que les policiers nous mettent en problème dans la ligne. Mais avec le programme, ça, nous avons mesure pour que nous jouions des prêts à un taux financier. Pendant l'année, le sacrifice policier fait la vie.
chaque jour, parce qu'elle vit pour la vie. Surtout dans les moments à venir. Donc, gagner un prime spécial que nous avons aussi. C'est un prime d'efficacité que nous avons octroyé à plus de 3000 fonctionnaires policiers. Policiers, tapous, personnel administratif. Tout le monde partage dans la police, mais il y a 3000 personnes qui joignent. Et nous profiter de ce passé pour remercier le ministre financier pour la bonne collaboration qu'il a avec l'institution de la police. Par rapport à travail policier, par rapport à confiance population à renforcer dans la police, il y a plusieurs entreprises sous marché qui octroient le rabais à des policiers et employés administratifs. Nous profitons de l'espace pour nous remercier. C'est un geste symbolique et c'est un geste que les policiers ont apprécié. Nous voyons que nous apprécions le travail. Et ça a encouragé. Pendant la police là, nous prenons question de valeur, valeur et mérite dans l'institution de la police. Ça fait que nous vivons féliciter 546 policiers et personnels administratifs pendant la police. Nous avons tout 47 policiers qui sont honorés par d'autres institutions. Ça montre à appréciation population à renforcer l'institution de la police. Et nous pouvons être population que la police a grandi chaque jour. Institution qui honore la police, nous sommes capables de citer deux droits. C'est l'ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, c'est NMP, avec l'autre institution. Nous lui débaillons 2258 policiers et personnels administratifs promotion. Et nous faisons selon les critères qui préétablissent notre institution. Ancienneté et compétences. Pas son monde. Et grâce à mesure d'assainissement, nous faisons tout. Sans que nous ne pas augmenter, sans que nous ne pas jouer une augmentation budgétaire, nous arrivons à employer plusieurs petits personnels qui, à travers commissariat, direction départementale, commissariat de province, commissariat de zone métropolitaine, qui ont plusieurs années, qui a bail service en institution pour la jambe de chien. Donc, grâce. Direction générale de la police nationale d'Haïti au fédéral de police. Jeudi, nous venons à nous pour présenter la conférence. C'est le commandant-chef PNH-là, M. France MP, qui va parler avec la population en deuxième fois. Et il y a, ça a gagné environ 6 mois. Et je dis, il va présenter bilan ensemble des opérations et des travaux qui fait pour aller 2021 au niveau de la police nationale. Également, perspective qu'il gagne pour aller 2023. Nous sommes capables de constater que le commandant est accompagné de plusieurs membres. Au commandement, également quelques unités spécialisées. Commandant-chef là, est accompagné de l'inspecteur général en chef là, c'est M. Félix Sefort. Directeur cabinet, c'est l'inspecteur général Jackson Hiller. Et c'est DCPJ, direction centrale de la police judiciaire, inspecteur général Félix Lecomte. DCPA, inspecteur général Joanny Caneus. DCASG, c'est M. Wensi Benoué, inspecteur général
David Elva Sinora Nassa Pierre, inspecteur général Francel Beau, inspecteur général Jean-Brunet Tricil, inspecteur général Max Piller, et avec les commissaires titulaires, Jean Maurice Etienne, directeur personnel de PNHLA, commissaire divisionnaire Marie-Jeannette Bateau-Salomon, commissaire divisionnaire Kester Pierre, commissaire divisionnaire Ghislaine Désir, et pour faciliter Nicoa et journalistes pour pouvoir poser des questions, c'est le commissaire de police, Marie-Michel, qui lui-même qui a gagné fonction ça, je veux dire. Sans plus tarder, on va passer et comme le chef là, Nicoa. Informer la population, rendre la population compte de l'ensemble d'activités que l'institution a réalisées. Informer la population qui j'en force policière à fâcher. Qui problème force policière? Qui résultat ensemble opération que l'institution a fait sur le terrain? Qui perspective que l'institution a gagné? Donc, son devoir pour nous dire, membre au gouvernement de la police, pour que nous venions parler à la population. Donc, son devoir. Comme nous tous connaissons, moi, peut-être que la police, le 21 octobre 2021, long moment qui était très difficile, situation politique là était très agitée, grand banditisme, quartier, parce que tout quartier de la zone métropolitaine là, de présence grande, 240 dans la force police là, mouvement 509, et dans pas la police là, c'est une grande prestation. Donc c'était un moment extrêmement difficile. Première mesure que nous avons pris, pour nous commencer, nous avons monté un nouveau gouvernement. Et nous t'entendons visiblement différents commissariats, direction de la pantale, unité spécialisée pour nous parler avec les policiers. Reconnaître frustration, reconnaître que frustration est fondée. Et demander nous faire sacrifice pour payer pour l'institution de la police. Les policiers nous t'entendent nous. Et au niveau du commandement, nous avons élaboré un plan de renforcement
dispositifs de sécurité à travers VIA, et spécialement dans la zone métropolitaine, côté que vous avez un pile. Pendant toute année, la situation n'est pas facile. Nous connaissons un pile de difficultés. Phénomène kidnapping n'a pas chaque jour avec bandits pour empêcher que nous signions un deuil dans la population. On a pris chaque jour à kidnapper et quand on a tout à fait dans le quartier, on contrôle le territoire. Troubles à l'ordre public, manifestations politiques répétées. Et en pile fois, on est. Le niveau de criminalité gagne de façon au bien chaque jour. Donc, c'est comment, au contraire, ils ont quantifié ces responsables déjà. Quantité des armes que nous saisissons, ces fruits, ont un effort considérable policier ou dans la rue. Sans la plus jour dire, la solution au problème n'est pas uniquement la police. Mais on mariage en différents secteurs dans la vie nationale. Si on a saisi les armes, les armes avancées, si on a saisi les cartouches avancées, donc on a arrivé. C'est ça qui fait que, au niveau structure, sécurité pays, il y a une tête ensemble pour que la synergie qui développe. Mon approche multidimensionnelle qui fait la question sécurité pays pour nous joindre le résultat que nous espérons. Ces 10 amis sont un effort considérable par le sens de la bête. Il y a des cas qui ont dormi, qui savent la police, lui-même le fait. Les policiers, ça a eu la difficulté, ils connaissent qu'il y a un projet qui est évalué à 12 millions de dollars américains, un projet de logement social pour les policiers. Il y a 60% dans l'agence qui est débloquée en évasion faite pour eux. Donc, qui s'est fait pour eux? Deuxième volet de question, c'est que il y a un peu de monde qui partage l'idée qu'on croit pour gagner une force étrangère qui venait dans le pays. Hein, le fait que, malgré que j'ai fait la police là, alors on dit la police l'a fait, mais on dit la police n'est pas capable. Parce que si vous voyez, vous n'êtes pas effectivement, par exemple, avec les soins dans le nord, vous n'êtes pas passer, vous n'êtes pas la carrière dans la zone sud-est, vous n'êtes pas. Que ce soit les bâtisseurs, on va passer. Et donc, est-ce que vous comprenez la police là, partager l'idée pour gagner une force internationale qui vient aider, faire face à la situation là pour permettre à ce que les citoyens sont capables de faire une occupation. Merci. Malheureusement, nous constatons plusieurs quartiers, zones métropolitaines, une bonne situation sécuritaire qui trouble. Et qui force les policiers à déplacer, à aller dans d'autres zones que eux estimaient plus ou moins en sécurité. Son situation que le pays a bon. Malheureusement, nous n'avons pas de programme immédiat qui a appliqué pour répondre à la question ça. Sauf que nous dit, au commandement, dans la mesure que capable, recevoir le policier. Et pour décoller avec les policiers et vous partager les gens ensemble. Et là, maintenant, tout, c'est solution problème là, pour nous bailler. C'est quartier là, pour nous contrôler. C'est démantèlement dans nous pour nous faire pour que nous solutionnions les problèmes. Concernant le projet logement pour les policiers, il y a un projet. En cours bien avant que le commandement ça là, malheureusement, qui n'est pas arrivé à terre. Malgré un grand pourcentage dans l'argent versé avec film de construction. Nous avons le problème là. Nous écrit le gouvernement, spécialement pour le ministre. Il y a une rencontre qui est faite entre plusieurs entités dans l'État et nous sommes sûrs que le problème là résout dans le jour à travers des décisions qui vont prendre
en haut lieu. Concernant la présence aux forces étrangères dans le pays, en Haïti, c'est l'autorité politique qui vous représente le pays. Donc, et c'est la responsabilité qui est convenue aux autorités politiques à partir d'évaluation que vous faites et vous faites des demandes au niveau de la communauté internationale. Parmi les monde dans son village, Haïti va beaucoup. Son village. Nous, comme professionnels, nous, comme force de l'ordre, responsabilité nous, c'est collaborer à tout le monde quand vous nous devez lire la question de sécurité. Ce n'est pas à nous-mêmes qui devons décider vivre ou pas vivre. Une force de l'ordre. Mais job par nous comme professionnels, c'est respecter les décisions des autorités politiques et collaborer convenablement avec toute force qui disposait vivement en coup de main en Haïti. Et comme Haïti fait partie de mon village, et nous fait partie de mon région, donc nous ne pas traiter d'être nous seuls. Les questions de sécurité sont bagages globales. Parmi les que nous dit que le pays a vécu un moment extrêmement difficile. Surtout en matière de sécurité. Sécurité n'a pas un domaine au col, dans pile domaine qui est influencé. En pile fois, domaine sécuritaire, c'est conséquence de l'ensemble de l'autre action dans l'autre domaine du monde. La police, là, en promet chaque fois bandit. Si nous suivons les réseaux sociaux, publication de la police, là, avec mettre moyen de la police à gagner, nous vous mettons à bandit et nous réaliser des opérations qui ont été faites. Dire que la police a failli la mission, présenter la police là comme une force nulle, c'est anti-Jean-Claude. Pendant que les policiers ont sacrifié de vivre dans la rue chaque jour pour protéger, en pile fois, tout le monde, la caille, la rue chaude, mais la police a obligé là, la rue là pour protéger bien, pour protéger bien. Comme pays a vu une situation facile, il ne parle pas seulement à la police là pour résoudre le problème de niveau de DIA, mais il demande pour chaque secteur en dans la vie nationale là, pour être connu. Mettez-nous ensemble pour nous résoudre le problème de l'immigration. La police a déterminé et nous prêts pour nous continuer à faire sacrifice, engager dans la lutte pour libérer la population. Nous ne pouvons pas décourager pour continuer. Canal, actuellement, nous commençons l'opération de démantèlement. Nous avons profité de l'espace pour demander pour le canal. C'est un moment pour que au plus collaborer avec la police. On met ensemble pour que nous rendions canal village vivable. Qui a bien deux trois mondes qui a théorisé la population. Maintenant les populations côté collé avec la police là, pour nous résoudre le problème. Actuellement, nous commençons aussi systématiquement grand au niveau du canal. Quel effort que la police a fait? Si nous prenons le blocage de terminal Barreau, libération Barreau, c'est une victoire policière. C'est au prix de sacrifice. Plusieurs opérations réalisées, en pile de charges de tir.
chaque soir après opération, nous obligés de recouper nos salles pour nous regarder des vidéos, pour nous regarder des gens qui ont une meilleure stratégie pour utiliser le lendemain. Jusqu'à ce que, par le libéré, le gaz sorte. Moi, demandez-nous, visitez vidéo. Sous la catégorie, sous le journaliste responsable, que nous prenons toute la vie. Nous n'étions ouverts en institution de la police pour nous partager des vidéos avec nous pour regarder. Pour qu'on visionne, je l'ai dit. L'entend, vous m'avez dit. Les ça, nous qui m'a formé conviction sur ça, il n'y a pas formé conviction sur ça. Nous avons deux délégations. La vie, c'est pour vous. La police a mené une lutte contre le bandit. Nous pas sous bonne foi bandit. Ça que nous gagnons ce sacrifice policier, engagement policier dans la ville. Donc, Zam, ça va nous garder là. Regardez-vous. Pas un plastique, mais c'est bon ça. Et c'est pas posé, posé, bon. C'est ça qui puisse faire dans la rue. Pour que nous prenions à affronter. Donc, nous avons dit que nous satisfaisons. Nous satisfaisons par rapport à engagement et esprit de sacrifice que les policiers ont engagé dans la rue. Et comme commandant, en chef, nous avons dit que nous satisfaisons. Je dis à nous présenter ensemble le travail que la police fait pour montrer que la police a la travail, même les que conditions de sécurité pays, amélioration qu'il a cherché, nous ne pouvons pas jouer de nous. Mais la police a roulé en plus. C'est une salle de je ne sais pas si des dégâts la police fait sur nos nations. Massacre de Lazare, la police tuée sous ta voix. Romerson Valsen, Vincent, la police tuée dans le temps comme ça vient. Juste nous faire mon maquillage dans la avec lui, dans l'hôpital. Pour nous dire c'est dans l'hôpital de nous. DG, c'est même dans ça que je dis à toi, pour des messages là pour nous. Moi-même, quand je parle à voilà, mardi 25 octobre à 3h de l'après-midi, sous chaque massacre, je travaille à l'étudier pour ça. Pendant la police à fond arrestation, un policier est un gros ami. Il fait un caméra quand même. En deux, nous avons mouru des sept petites. Pour qu'on soit devenu, on va parler sur ça. Marlène dans le GPNH, pour point d'orientation, il y a auditionné. Jusqu'à présent, la police a jamais dit est-ce qu'il y a une caméra? Caméra par caméra, l'État, c'est mon travail, moi j'ai caméra par. Mais, je dis, la police a arrêté journaliste. Dans la fonction de travail, ils n'ont pas pris, ils ont entravé dans le commissariat, ils ont humilié, ils n'ont pas pris. Moi, je ne vais pas mettre ça dans le bilan, oublier ça, ça va arriver dans un euro déjà. Ils vont dire est-ce qu'on parle dans le bilan pour journalistes spécial? Parce que c'est nous-mêmes qui pour porter une nouvelle là-bas. Merci. Dis-nous que pendant que nous travaillons pour améliorer les conditions policières, pendant que nous prenons les mesures pour que nous encadrions les policiers, en même temps, nous appliquons une rigueur avec les policiers
nous venons à l'administration de l'âge, et les gagnants ont une faction, nous prenons responsabilité pour nous combattre. Ce n'est pas sans raison que il y a plusieurs policiers qui ont révoqué, il y a des policiers qui ont arrêté, et des policiers qui ont en isolement, et des policiers qui ont mis sous conservatoire. Et l'information est là. Journaliste Michaud. Merci. Avec Vito. Toutes les fois qu'on a besoin d'informations, il faut que nous ouvrions moins d'informations. Donc, on va passer sur le parti. Nous pensons qu'on va faire si on veut mettre la caméra. Ça, c'est autre chose. Si son terme, là. Si son terme, pour nous mettre la caméra, c'est autre chose. Mais présenter la police là, comme nous l'avons volé chaque jour, dans la presse, c'est une image qui est très grave pour l'institution de la police. C'est ça. Excusez-moi. Il faut être journaliste. Quand Maxi Ben sous bout de terre, sous bout d'aéroport, enquête à Oki, mais tout autant que l'enquête à Maxi, par des communications qui fait publiquement de l'enquête. Par contre, si une association de presse, si un journaliste besoin qu'on ait qui j'en enquête à évoluer, il est libre pour contacter l'inspecteur général. Pour garantir votre information, il y a un gars avec vous. C'est quoi pour elle qui décrit l'avancement en tête là. Laisse ça. On va mettre sur vous former conviction. Quand un journaliste qui blessé dans le commissariat de Delma, et journaliste moi, journaliste, s'il vous plaît, on ensemble de mesures. Ensemble de bagages pour vérifier en bon mot pour confirmer l'information. Et ça m'a dit là, il y a un document. La police gagne un document. Et moi-même, comme commandant professionnel, je ne vais pas tolérer aux policiers qui font une bavure grave contre la police. Je fais des déclarations ça et télé. Et à vérifier l'information que je vais là. Vérifier avant que nous parlions, pas quitter sentiment nous parlions, pas quitter émotion nous parlions. Nous comprenons nous comme être humain, mais nos bons frères nous qui blessés, qui mourent, qui j'en ont blessé jusqu'à un homme. Mais comme nous connaissons nos élèves professionnels, avant que nous portions un jugement ou du moins portions une affirmation, vérifier. Enregistrer la déclaration de la police à Baye sous Kassa. En deux commissariats de loi, il y a un groupe de monde qui entre, parmi lesquels il y a des journalistes qui entrent suite en deux commissariats suite à une arrestation qui fait. Bon journaliste qui a appréhendé. Mais c'est l'ennemi dans deux commissariats, la police connaît que l'appréhendé au journaliste. Mais deux voilà, il a arrêté au monde sous barricade. C'est un dans commissariat. Personne n'a allé capi, malgré toutes les policiers avec la page identifié. C'est l'ennemi dans le commissariat identifié. Ça c'est lui. Bon groupe de monde qui entraîne le commissariat de mal, parmi lesquels nous avons journalistes, deux trois journalistes qui l'a avec nous qui l'a. Pour rétablir l'ordre. Gagné au bon policier qui tirait au bon gaz. Et bon bon gaz, il tombait dans la tête du journaliste. C'est à partir de là, le journaliste a blessé à terre. Apparemment, son corps humain. Nous faisons appel à l'ambulance plusieurs côtés. Nous relèvons la meuse. Nous relèvons calme. Nous relèvons l'autre. Ambulance encore. Route au niveau accès, au niveau commissariat, commissariat Delma, en pile là dedans bloqué. C'est avec en pile difficulté pour ambulance arriver en commissariat. Et moi, comme commandant en chef, m'a suivi tout fil événement.
m'assurer que l'ambulance arrive. M'assurer que je fais contact avec le responsable hôpital, mesdames. Qui gagne quand on prépare un staff médical qu'après tant de journalistes devant. Journaliste va arriver pour Paul. Je suis sûr que les gens qui accompagnent la découvrage politique de taille, un staff médical captain. Après une heure ou deux heures de temps, c'est à ce moment-là, journaliste va me dernier souvenir. Donc, mes réalités. Et la police détient des documents relatifs à ce cas. Nous pas pour conflit au niveau de la police. Des documents qui sortent qui parlaient de mort en un commissariat. Qui docteur Sien? Est-ce que docteur ça, son vrai docteur? Est-ce que le document ça dit bon? On va poser des questions sur ça. Sauf que la police gagne un document administratif qui montre que faire est concerné. Si vous voulez, vérifiez la veille. Après la conférence, on va prendre délégation, nous allons au bureau, on va faire une rencontre avec le gouvernement, on va présenter nos documents. Et nous sommes disponibles pour ça. Ça, vous demandez nous. Vous demandez nous. Vérifier l'information. Gardez-le bien avant que vous-même, comme journaliste professionnel, avant que nous effectivement ceci. Merci. C'est la dernière question. Caméra. J'ai la police. Il y a des commissaires, 94 commissaires qui appellent là. Je pense que ça a eu bon pour l'institution de la police là. Il faut que deux monde qui allait au concours, sans monde pas, et qui arrivait à être créé à l'académie de police là, après une formation de job, pour premier commissaire. Et pour nous, nous avons renforcé le commandement, ni le commissariat, la direction de la mandat de l'unité spécialisée. On dit nous, une autre fois, un message à la population, que la police, là, policiers, chaque jour, nous l'en avons là. Et la minute que l'on parle là, beaucoup là, policiers sont très déterminés. Pas oublier que la force police que nous avons aujourd'hui n'est pas créée pour faire face à un genre de problème que nous avons vu aujourd'hui. La création de la police en 1995 n'est pas créée comme force de ne pas créer pour faire face à un grand banditisme, guérilla urbaine que nous avons vu aujourd'hui. Donc, nous voyons la police qui a transformé. C'est ça qui fait. Unité spécialisée, nous renforcer. Formation continue pour nous-mêmes. Pratique pour nous-mêmes souterrains. Acquisition de nouveaux équipements adaptés à la réalité pays pour permettre de faire face à un grand défi que nous avons souterrain. Donc, nous demandons aux populations. Comprenez la police, prenez la police, collaborez avec la police. Nous restons en pile, pourtant que nous faisons, nous portons attention à la déclaration, à la présentation du gouvernement. Et comme culture la caillou, nous ouvrons à des questions, mais l'investissement reste le monde. Merci. Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner ensemble avec la chaîne là si vous faites ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!